Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Un vlog très chill où il va pas forcément se passer grand chose. Mais écoutez, je me dis pourquoi pas. En fait j'avais envie de vous filmer une vidéo déjà parce que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Ça fait depuis les vacances d'avril et on est le week-end de 5 jours. À l'heure où je filme, on est le samedi 11 et je suis sur le montage de mon voyage de mes vacances d'avril. Mais c'est vraiment hyper long et je galère pour transférer mes fichiers de ma caméra sur mon ordinateur. Bref, tout ça pour dire que je voulais faire un vlog de transition un peu parce que ça fait déjà 2 semaines que du coup j'ai pas posté de vidéo et que bah le vlog de mon voyage est vraiment tellement long à monter qu'il ne sortira pas avant un petit moment je pense. Parce que là j'ai vraiment pas trouvé le temps parce que ce week-end j'ai fait trop de trucs, c'était vraiment un week-end incroyable, je suis trop contente. Mercredi c'était l'anniversaire de ma meilleure pote. Le midi déjà je suis allée manger chez mon papy. Ensuite l'après-midi je suis allée faire un tour au tournoi des familles de mon club. Et le soir du coup j'ai fait une surprise à ma meilleure pote. Mais bon elle était un peu gâchée la surprise mais à moitié bref. Je l'ai retrouvée au bowling avec ses potes. Et c'était vraiment hyper cool, je les connaissais pas mais j'ai vraiment bien aimé. Et après j'ai dormi chez elle. Au final j'ai tapé l'incruste jusqu'au midi. J'ai même mangé chez elle le midi. Ils étaient trop chou, ils m'ont gardé très longtemps. J'ai tapé l'incruste de fou. Mais c'était super sympa. Ensuite je suis rentrée chez moi et tout. J'ai quasiment rien fait de l'après-midi. Jeudi soir, soirée chez moi. Et avant on avait entraînement. C'était ma première vraie soirée chez moi. Et c'était vraiment incroyable. Donc trop contente. Surtout que bah, il n'y avait pas mes parents et qu'ils m'ont accordé leur confiance. Et que ça s'est très bien passé. Donc c'est bon pour l'avenir. On a dormi à 6h, on s'est réveillé à 10h. Très peu de sommeil ces derniers jours hein, vraiment. À 14h je suis allée faire un basket avec des potes. Et après on allait se baigner. Ça n'avait aucun sens alors que j'étais encore mal de ma soirée mais tranquille. Hier soir on avait soirée chez un pote. On a enchaîné 2 soirées d'affilée. On a plus dormi hier puisqu'on rentrait tôt ce matin. Mais je suis quand même KO. Mais c'était super cool. Et aujourd'hui j'ai rien fait depuis 9h que je suis rentrée chez moi. Sauf là j'essaye un peu d'avancer sur le montage. Mais ça avance très peu. Là il est 18h44. J'ai commencé le vlog maintenant, je sais pas pourquoi. Au moins j'ai fait l'intro et tout. Demain mes parents ils rentrent et j'avais fait une to-do list du coup pour jeudi. Je pensais que j'allais avoir le temps de faire ce que j'avais prévu mais en fait pas du tout. Du coup bah je pense que je vais garder la même pour demain à peu près. Sachant qu'il y a des trucs que je pense que je vais pouvoir faire ce soir ou que en tout cas je vais avancer ce soir. Bref voilà. En tout cas j'espère que ce vlog très chill ou à mon avis il va peut-être pas se passer grand chose, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Bref, moi je vais vous laisser sur ça, essayer de retourner à mon montage. Du coup pour le moment je pourrais pas filmer avec ma caméra parce que pour me transférer les fichiers, elle doit pas enregistrer ma caméra. Je suis malade, c'est une catastrophe. Je suis mal, j'ai mal à la gorge de fou. J'ai mal au crâne depuis genre 3 jours. Bref, je vous laisse sur ça parce que je parle beaucoup trop. Et on se retrouve je sais pas quand. Attends, décale-toi sur la gauche. On est le lendemain, je vous retrouve, il est 11h15, j'ai rien fait encore pour le moment, j'ai vraiment juste regardé mon tel et petit déjeuner. J'ai pas hyper bien dormi parce que je pense que ça s'entend, je suis malade, un plaisir. Ça me fout le seum parce qu'on est vraiment en mai genre, surtout que dehors il fait hyper beau et tout, mais bon ça c'est une autre histoire. Du coup là, pour dire que je fasse au moins un minimum quelque chose ce matin, je vais avancer sur le montage, je pense, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Hier, j'étais trop crevée, j'ai pas réussi à avancer. Il faudrait que bah, je fasse mon travail de groupe, mais c'est un travail de groupe, donc je peux pas avancer toute seule. Donc faut que je vois avec mes potes, j'ai envoyé un message, mais bon. Mais sinon, niveau devoir, à part ça, je crois que j'ai rien, donc c'est tant mieux. Et sinon, il faut vraiment que j'avance pour mon projet, parce qu'en gros, il faut que je fasse un dossier, parce que c'est vraiment long. Et sinon, le reste, c'est vraiment en plus. Donc, j'aimerais bien cet après-midi aller dehors et bronzer et lire en même temps. Ça me ferait pas de mal, mais bon, en même temps, je suis malade. Donc, je sais pas si c'est une très bonne idée de se mettre de ouf au soleil. Je verrai. Alors, il fait 21 degrés actuellement. C'est une dinguerie. Bah, après, il est quand même 11h, mais indice UV. Ouais, j'ai trop le seum. Aujourd'hui, il est pas très fort. C'était vraiment hier qu'il aurait fallu que je bronze parce qu'il était à genre 7-8. Mais bon, vu que je suis malade, en vrai, je me dis que c'est pas plus mal qu'il soit pas si élevé que ça. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Bref, moi, je vous laisse sur ça et je vais essayer d'aller faire du montage, de me motiver surtout. Il est midi 44, on voit toujours rien quand je monte, hein. Vraiment je vais continuer mais on voit toujours rien. Mon état, ma gueule, tout
Y a rien qui va. Du coup, je pense que j'ai bien fait une heure de montage. Donc, je suis contente, même si c'est hyper lent et que j'ai l'impression que j'avance à reculons. Mais bon, est-ce qu'on a cette gueule, genre, en mai? J'en ai marre. Je suis KO, genre, je déteste être malade. Genre, c'est vraiment une sensation insupportable. Bref, je pense que je vais descendre, aller voir mon frère parce que je crois qu'il est rentré des courses. Pour voir bah, quand c'est qu'on mange en fait. Je commence à avoir un peu la dalle. Et je me dis que si on mange pas trop tard, moi je pourrais continuer un peu ma journée. Sachant que du coup, montage, bah faudra que je continue. Et là, faut vraiment que je me mette à mon dossier. Faudrait que je me foute dehors un peu parce que déjà, je suis un cadavre de base. Mais en plus, je suis malade. Donc, je suis encore plus un cadavre. En ce moment, je lis rien. Ça va pas du tout. Parce que du coup, avant, je lisais quelque chose, mais c'était pour le français. Pour le bac. Là, j'ai vraiment plus rien à lire. Enfin, j'aurai Gargantua, mais franchement, j'ai abandonné la lecture de Gargantua. On fera sans. Et en gros, ma mère m'a acheté un livre, mais je crois que ça date de mon anniversaire. Donc ça date un peu de février. C'est à Jérémy Mumet. Et c'est Je ne suis pas la fille mexicaine dont vous rêvez. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je vais relire le résumé et tout. Et je pense que je vais m'y remettre. Donc ouais, cet après-midi, montage, dossier, lecture, bronzage. Si on peut appeler ça du bronzage. Et il faudrait vraiment que j'avance mon travail de groupe. Mais personne n'est dispo. Donc on n'est pas dans la merde. Voilà, bref. J'ai très peu envie de retourner en cours par exemple demain. Je vous avoue que là, pour moi, j'étais en vacances. Attendez, on est le combien? On est le 12. Sachant que j'arrête les cours le 7, il me reste moins d'un mois. Et ça, c'est vraiment cool. Attendez, je vais regarder combien de semaines ça fait. Oui, j'en suis à là, alors que je kiffe ma classe. J'ai kiffé mon année, genre. C'est passé beaucoup trop vite. Mais là, les cours, j'en peux plus. Bon, après, j'ai mon bac, quoi, mais tranquille. Du coup, ça me fait 1, 2, 3. Techniquement, il reste 4 semaines encore. Donc, il reste un mois de cours, mais c'est hyper court. Genre là, de toute mon année, il me reste 4 semaines. Bref, je parle trop comme d'hab, donc je m'arrête là-dessus. Et j'espère qu'on mange un truc bon. Il est 15h30. Je suis pas restée très longtemps dehors. Parce que, bah, vous pouvez le voir, je pense, il fait pas très beau. Enfin, il a arrêté assez vite de faire soleil. Donc, ça m'a saoulée. Je suis rentrée. Et j'ai continué un peu à lire et à regarder mon tel. Et là, je suis montée il y a pas très longtemps. Mais j'arrive pas à faire autre chose que lire ou regarder mon tel. Vraiment, c'est catastrophique. Mais déjà, mon état, genre, je ne veux plus d'être malade. Mais du coup, bronzer, c'est tout bon. Je coche. Lire, c'est bon. Là, je pense que je vais avancer un petit peu le montage. Je finis ma vidéo. J'avance un peu mon montage. Et après, je vois. J'ai toujours pas de nouvelles pour le travail de groupe. Faudrait que je fasse le montage de ce vlog aussi. Oh, j'ai tellement la flemme. Je pense que ce vlog n'est vraiment pas très intéressant. Mais je crois que je vous avais prévenu. Hein. POV moi tout le vlog. Ok, donc là il est 16h37. J'ai vraiment grave traîné au final. J'ai vraiment rien fait. Mais là je suis en train de voir avec mon pote pour notre travail de groupe. Donc ça c'est cool. Au moins ça avance un mini chouïa. C'est déjà ça. Ensuite il faut que j'avance sur le montage. Mais je pense que je vais surtout essayer de commencer celui-ci. Parce que j'aimerais vraiment poster ce vlog là dans pas longtemps. Donc voilà, là je continue pour mon travail de groupe. Je pense qu'on va faire ça en même temps. Je goûte. Mais en tout cas je suis contente parce que j'ai quand même pas mal lu. Enfin un peu lu. Bon non, j'ai pas de ouf lu, mais un peu quand même. Je m'y remets donc c'est cool. Bref, je fais comme je peux, j'essaye de m'activer un peu là. Mais c'est horrible. J'ai zéro motif en plus. Il fait remoche. Y'a rien qui va. Thank you.
quasi 18h20. J'ai fait un peu de montage, j'ai avancé du coup notre truc de groupe. En gros, on a un dialogue à faire et après on doit se filmer. On a convenu, aujourd'hui on faisait le dialogue et demain on s'enregistre. Du coup, là le dialogue il est quasi fini. Je l'ai peaufiné un peu, il faut juste que je reformule. Et du coup, faudra qu'on s'enregistre demain. C'est une dinguerie, mon nez, c'est de pire en pire. Je déteste quand je parle du nez comme ça. Mes parents devraient pas trop tarder. Je crois qu'ils ont dit à mon frère qu'ils arrivaient à 18h quelque chose. Je sais plus combien, donc on verra. Il est déjà quand même 18h20, genre. C'est une dinguerie. Le temps passe vite, en même temps, pas tellement. Mais j'ai l'impression d'avoir fait des trucs en même temps, d'avoir rien fait aujourd'hui. C'est hyper bizarre. En même temps, je regardais une vidéo de Caldera pendant que je faisais mon montage. J'adore. C'était sa petite vidéo chit-chat make-up. J'aime beaucoup. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Elle est vraiment trop intéressante, cette fille, parce que bah, du coup, elle est donc aussi sur les réseaux. Et elle fait tellement de choses à la fois. Bon, maintenant, ses études, elle va les arrêter, quoi. Mais elle faisait ses études, vidéos sur YouTube. Elle était présente aussi sur Insta. Mais elle est tellement intéressante. Elle a créé sa marque. Elle fait du montage pour des autres en plus. Enfin, bref. Elle est tellement inspirante, genre. Elle fait tellement de trucs et ta voix à côté, genre. Bon, et du coup, j'adore écouter ce qu'elle dit. Bref, on s'en fout ce que je dis là. Je viens de penser à un truc, c'est que dans mon vlog en Italie, c'était du coup la première vraie vidéo que je faisais entièrement avec ma caméra. Bah du coup, vu qu'il va sortir après, bah en fait, cette vidéo, ce sera vraiment la première vidéo postée tournée entièrement avec ma caméra. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que la qualité est mieux ou pas, si vous aimez bien, etc. Quand je mets ma tête, du coup, je filme tout le temps en grand angle avec ma caméra. Je sais pas, je préfère. Je trouve que c'est mieux. Parce que quand je l'ai eu, elle était directement mise sur le mode grand angle. Et en fait, je trouvais ça beaucoup mieux. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait quasiment aucun réglage. Donc dites-moi au niveau de la qualité, du son et tout, si vous aimez bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Sinon, dans tous les cas, toutes les infos, que ce soit sur ma caméra, mon logiciel de montage et tout ça, tout est dans la description à chaque vidéo si jamais vous avez besoin des références. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et ma dernière vidéo, donc ma vidéo avant celle-ci, je vous la mets dans le petit du coup, c'est la vidéo où j'ai unboxé ma caméra. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Bref, moi je vous laisse sur ça. Et je retourne à mon montage et à mes petits trucs. Il est 19h30, mes parents sont arrivés il y a une heure environ je pense. Je vais aller manger là parce que je pense qu'ils sont déjà tous en train de manger puisque mon frère a son train à 20h je crois. Donc souvent le dimanche on mange tôt. J'ai encore un peu avancé sur le montage. Mais là je pense vraiment que je vais me mettre sur le montage de ce vlog. Je dis ça à chaque fois que je vous reparle mais bon, ça arrivera. Ce soir il faut que j'avance sur la lettre, que je finisse mon dialogue. Et voilà, on sera pas mal. Faut aller Valou. Le frigo est retour pour. Bon, il est 20h40, j'ai fini de manger tout. J'ai fait une inhalation, c'est pour ça qu'il est aussi tard, entre guillemets. Parce que j'ai fini de manger depuis un petit bout de temps, mais si vous voyez pas une inhalation, moi je vous mettrai une photo, au pire c'est plus simple. Et en gros, ça te débouche normalement le nez, etc. Normalement, avec ma mère, on va regarder notre série qu'on a du coup pas regardé depuis 5 jours, voire même plus. Je sais plus quand on s'était arrêté. J'adore cette série. C'est une série qui passe sur TF1, mais je crois qu'ils vont arrêter la diffusion parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui regardaient. Mais on a le seum parce que nous on aimait trop. Parce que j'ai ni Netflix, ni Amazon Prime, ni Disney Channel, Disney Plus et tout. On a rien. Mais du coup, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais c'est super cool. Bref, on s'est donné rendez-vous je crois vers 21h15. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, tout ce que j'avais prévu de faire ce soir, bah c'est un peu annulé. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça avec ma mère. Donc là, il faut que j'aille me doucher, que je range tout en bas. Parce que du coup, j'ai pas rangé en fait. Et une fois que ce sera fait, ce sera tout bon. Bon, il est 23h20, on a arrêté de regarder, on a regardé deux épisodes, j'aime vraiment trop cette série, mes cheveux c'est une cata là, non. Donc je suis trop contente, je vais regarder un peu mon tel je pense, ou je sais pas. En tout cas le livre je l'ai un petit peu avancé, et franchement pour le moment j'aime bien l'histoire, donc je suis contente. On verra si ça me plaît toujours. Demain je commence à 10h, donc c'est vraiment cool, je sais pas encore à quelle heure je me lève, faut que je regarde mes bus, donc bénef de fou. En tout cas par contre je suis bien malade, je pense que vraiment là je suis KO. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ma tête est minable pour la fin de ce vlog. Mais bon, écoutez. Pour une fois que je fais l'outro directement à la fin et pas un autre jour ou au moment du montage, franchement, c'est un exploit. En tout cas, j'espère du coup que ce vlog un peu plus chill vous aura plu. Vous inquiétez pas, le vlog pour l'Italie, je vous ai rabâché ça tout le long de ce vlog, mais arrive bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. En attendant, vous pouvez regarder mes dernières vidéos. On se retrouve bientôt pour le vlog en Italie. Bisous.